Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire des structures aux avant-postes de l'IO. Alors les avant-postes de l'IO, il y en a plusieurs, donc je pense qu'il y en a 7. Il y a celui qui se trouve à Daily Buggles, donc juste ici. Il y a un avant-poste qui se trouve à Condo Canyon, un à Rocky Hills, un à Tilted Tower, un à Connect Crossword, un à l'état-major enfoui. Et donc, en fait, ça fait 6 si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, donc il y a 6 avant-postes de l'IO. Donc, vous pouvez les repérer avec les gros dirigeables qui sont juste au-dessus. Hein. Donc, ça, c'est les avant-postes de l'IO. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de détruire des structures aux avant-postes de l'IO. Vous allez devoir détruire 20 structures. Donc, ça, ce truc en métal, ça fait partie de l'avant-poste de l'IO. Cette tente fait partie de l'avant-poste de l'IO. Et ces cargaisons aussi. Tout ce que vous voyez qui est en surplus comparé à la ville, donc même les escaliers là, la plateforme, tout ce que vous voyez en surplus qui n'est pas normalement compris dans la ville, ce sont des structures de l'avant-poste de l'IO. Alors vous pouvez le faire en bas de la ville, donc juste ici, ou alors vous, tout simplement vous montez dans le dirigeable qui est juste au-dessus de moi. Donc normalement il y a une tyrolienne qui montait, mais comme je suis en labo de combat, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas disponibles. Donc je vais devoir prendre cette tyrolienne qui monte jusque là-haut. Ouais, donc là, normalement, ça devrait le faire. Donc on va aller prendre cette tyrolienne. Donc regardez, ça aussi, hein, c'est d'aller. Ça fait partie de l'avant-poste de l'IO. Donc c'est tous des blindages qu'ils ont postés pour assiéger la ville, justement. Donc ces objets, c'est des structures que vous pouvez détruire. Et pour terminer le défi, vous devez en détruire 20. Au total, donc dans n'importe quel avant-poste de l'IO que je vous ai montré, vous détruisez 20 structures et vous aurez terminé le défi. Et comme je vous dis, vous pouvez le faire aussi dans le dirigeable. Donc vous allez dans le dirigeable, normalement, c'est compris pour l'avant-poste. Après, voilà, c'est peut-être pas un avant-poste à proprement parler parce que c'est le dirigeable. Mais je pense que tout ce qui est dans le dirigeable, si vous le détruisez, ça comptabilisera pour le défi. Donc voilà, dès que vous aurez détruit 20 structure d'un avant-poste de l'IO, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.